Bonjour et bienvenue sur runningmag.fr. Au départ du 25e semi et 10 km de Blagnac. Donc cette année, vous serez encore plus de 1000 sur chacune des épreuves, avec un premier départ à 9h30 pour le 10 km et à 10h30 pour le semi. Donc on va s'embarquer sur le nouveau parcours qui est extrêmement rapide au dire des organisateurs. Il est tout nouveau. Donc après un départ sur la rue Gustave Flaubert, donc un peu différente de l'an dernier, qui est un peu plus près de la voie rapide, on va se diriger vers une longue ligne droite de 300-400 mètres vers le centre de maintenance. Donc on arrive tout à fait en haut de la zone. Et là, bon, sûrement qu'il faudra faire attention au sens du vent. S'il n'y a pas trop de vent, mais d'un côté ou de l'autre, on devrait l'avoir un peu de face ou un peu dans le dos. Et ensuite, on va tourner sur l'avenue d'Andromède, donc sur la gauche, pour se diriger vers le bois, vers la zone d'Andromède. Et là, au lieu de plonger sur la fameuse petite côte que tout le monde connaissait des années précédentes, on va revenir sur le bord du tramway. C'est donc la grosse nouveauté puisque le tramway, les travaux sont finis et les organisateurs ont profité de ça pour longer toute la voie du tramway, donc une portion hyper plate et qui devrait convenir à des performances. Donc on passe par la place Georges Brassens et on se dirige vers le parc du Grand Noble. Donc on est plus très loin du centre commercial mais de l'autre côté. Donc je pense que les spectateurs pourront faire du centre commercial, pourront aller voir les coureurs de ce côté-là. On arrive tranquillement au 5e kilomètre, où il y a le grand ravitaillement, place de la Révolution. Et on va passer devant la patinoire, donc pas question de s'arrêter, faire quelques tours. On continue, les jambes sont lourdes. Et là, on va être le plus proche de la ville, mais sans aller dans le centre-ville non plus. Donc on revient sur le parc du Ritouré, et on ne passe pas à l'intérieur comme c'était aussi le cas. Il y a quelques années auparavant. Donc là, on va revenir tranquillement vers le centre commercial, mais avant cela, il faut redescendre sous la rocade. Donc c'est peut-être la seule difficulté du parcours. Il faut plonger sous la rocade pour remonter dessus. Et on se retrouve sur le parc d'activité de l'aéroport. Donc là, c'est un peu la zone un peu creuse ou morte, si on peut dire, de tout le parcours. Là où il n'y aurait pas y avoir trop de monde, c'est un peu ennuyeux de la vie de beaucoup de coureurs. Mais déjà, on doit replonger sous la rocade pour les 500 derniers mètres. Et là, c'est la dernière partie du parcours qui est assez longue, qui fait assez mal aux jambes parce qu'on sait qu'on revient. Donc les 10 km vont terminer là. Et le semi, lui, va continuer de l'autre côté, mais pas par la rue Gustave Flaubert. Il faut d'abord faire un petit tour. Dans la zone qui est juste autour du centre commercial. Voilà, ben je vous souhaite bon courage et c'est pour le 6 mars. À bientôt.